Et le troisième point, madame, monsieur, sur lequel je voulais aussi intervenir à l'entame de votre conférence, c'est la gestion des cadres, c'est ce qu'on observe comme nomadisme en politique. Dirassouba l'a dit, nous ne sommes fiers du RPM. Nous sommes fiers de notre parcours. Je suis fier de vous. Et je suis fier de votre parcours. Je suis fier de ce que nous avons fait ensemble. Les phénomènes, chacun observe ses situations selon son point d'observation. J'observe ce que Dirassouba a décrit, ce qui se passe du point de vue d'un pasteur. Il y a des périodes de vaches maigres. Quand les prêts de vaches maigres, quand les pâturages sont pauvres, les animaux vont à la divagation. Et ils vont dans tous les sens. Et quelquefois, les pasteurs qui sont assez avertis, vraiment, se préoccupent peu des mouvements des animaux. Parce qu'ils sont guidés par l'instinct nourricier. Ils vont à la recherche des pâturages et de l'eau. Il faut les laisser aller. Il faut les laisser aller. Mais même les animaux, même les vaches, à l'époque, à la période vraiment, donc des vaches grasses, ils reviennent d'eux-mêmes. Ils reviennent d'eux-mêmes, même les animaux. Donc, c'est des phénomènes naturels. C'est vrai, c'est une grosse extrapolation, mais c'est des phénomènes naturels. La vie, elle est faite ainsi. Mais je suis convaincu que les femmes et les hommes qui militent dans le RPM, personne n'a été payé pour venir au RPM. Nous sommes tous venus pour notre dignité, pour notre engagement et pour notre attachement à Ibrahim Boubacar Keïta. Parce que ce que Dirassouba a dit, c'est essentiel. L'éthique en politique, nous avons proclamé et nous avons dit haut et fort, même en politique, il y a la morale. Et c'est au nom de cette morale, c'est au nom vraiment donc du refus du combinaisonné en politique. Parce que nous sommes convaincus qu'en politique, la fin ne justifie pas les moyens. Dans tous les cas, il y a une dignité, il y a une moralité. C'est ce qui a fait que nous, femmes et hommes, avons dit ce jour-là, ce qui s'est passé, ce qu'on envisageait faire contre Ibeka, nous ne sommes pas d'accord. Et nous allons le manifester. Et le jour, vraiment, donc, quand nous avons vu, donc, comment dirais-je, l'incontournable allait se passer, nous avons aidé Ibeka à la porte et nous avons dit tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs et les principes incarnés par lui, vraiment ils sont sortis de nos yeux. Et le parti reste digne dans ça. Donc les phénomènes d'attrait passagers, celles et ceux qui profitent de leur position dans vraiment donc l'appareil qui développe ses capacités d'attrait, qui appelle nos cadres, qui les perturbe, qui leur font donc des propositions tentant donc à leur dévier leur chemin, nous sommes convaincus que ceci constitue des phénomènes passagers. Inch'Allah, le RPM vivra et survivra à ces pratiques malsaines. Le RPM ne les connaît pas et le RPM n'a pas envie de les connaître. Et je demande à toutes et à tous ce sursaut de se rappeler qu'avant tout, que nous sommes RPM.